Merci de cette invitation. Vous m'avez invité à remplacer, je crois, quelqu'un qui a annulé, ce qui m'oblige à vous lire, enfin, je ne vais pas la lire, mais à vous parler de quelque chose que j'ai abordé récemment, la semaine dernière, dans une conférence à Rhodes. Et cette conférence de la semaine dernière à Rhodes était elle-même inspirée par une conférence que j'avais donnée à l'Assemblée générale des Nations unies à New York en avril. Et j'ai pris donc comme titre l'État comme facteur principal dans la paix. Aux Nations Unies en avril, j'avais surtout évoqué un élément oublié de l'histoire des relations internationales que je voulais mettre en avant, qui est celui de l'amnistie. Ce que j'ai dit à New York, et vous pouvez lire le texte sur notre site, c'est que pendant au moins 5 siècles, de la fin du XIVe siècle jusqu'à 1918, il était la règle absolue d'insérer des clauses d'amnistie dans tous les traités de paix. Dans tous les traités de paix, à partir de la fin du XIVe siècle, vous trouvez systématiquement des amnisties. C'est-à-dire, les deux parties s'engagent mutuellement à ne plus poursuivre personne pour aucun mal qui aurait été commis par les uns ou les autres pendant le conflit. Cette tradition était devenue tellement ancrée dans la tradition des traités de paix en Europe, c'est-à-dire dans le monde, que les théoriciens du droit international étaient d'accord pour dire que même dans ces traités, par exemple au XVIIIe siècle, où une clause d'amnistie ne figurait pas, on pouvait néanmoins conclure qu'elle était implicite parce que la tradition était tellement grande et tellement forte. Et j'ai voulu mettre en avant cet élément oublié parce que dans ce débat en avril, nous parlions de la justice internationale, c'est-à-dire des divers tribunaux qui ont été créés depuis la fin de la guerre froide et qui adoptent précisément l'approche contraire. Ce n'est pas seulement d'ailleurs les tribunaux internationaux. Il y a une tendance croissante de marquer la fin de conflits, y compris des conflits civils, par une poursuite judiciaire de l'Ancien Régime. Mon dernier livre porte sur ce sujet, il s'appelle Une histoire des procès politiques. Je l'ai publié en 2008, donc je l'ai terminé en 2007, peu après l'exécution de Saddam Hussein, et donc je l'ai intitulé Une histoire des procès politiques de Charles Ier à Saddam Hussein. Quand je dis procès politiques, j'entends par là les procès criminels contre les chefs d'État, les anciens chefs d'État, pour les actes d'État. Je n'ai pas parlé de procès qui ont pu avoir lieu, même s'ils étaient évidemment politiques, pour d'autres crimes, n'est-ce pas? Je n'ai pas donc abordé le général Noriega, qui lui était poursuivi pour corruption et pour trafic de drogue. Non, je me suis concentré uniquement sur les procès d'anciens chefs d'État pour les actes d'État, parce que je voulais examiner comment le droit criminel réagit, si je puis dire, quand on lui demande de statuer sur les faits politiques. Eh bien, depuis la rédaction de ce livre, il y a une bonne dizaine, sinon une quinzaine de chefs d'État, depuis donc dans les 5-6 dernières années, qui ont été inculpés ou même condamnés depuis cette date, alors qu'il n'y en avait eu qu'une trentaine au moment où j'écris le livre. Donc il y a une accélération considérable de cette nouvelle pratique. Alors ça, c'était mon premier point, si vous voulez, dans la conférence du mois d'avril. Ensuite, j'ai rappelé à mon audience, à mon auditoire, que 2013 était non seulement le 20e anniversaire de la création du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, mais également le 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Car ce n'est pas à vous que j'apprendrai qu'on nous dit, n'est-ce pas, à propos de l'Union européenne, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2013, que c'est grâce à l'Europe que nous vivons en paix. Or, moi, j'ai voulu dire le contraire, à savoir que, tout d'abord, la paix en Europe, elle existe depuis 1945 et non pas depuis 1957, ça tout le monde le sait, mais que tout le monde accepte, même les pro-européens, que cette paix repose sur une réconciliation franco-allemande. Eh bien, elle a eu lieu notamment en 1962, avec la fameuse messe
n'est-ce pas, à Reims, où le chancelier Adenauer et le général de Gaulle ont assisté tous les deux à la messe quelques mois avant de signer le traité de l'Élysée en janvier 1963. Et je voulais par là illustrer, bien sûr, si vous voulez, le propos qui est contenu dans le titre de mon exposé ce soir, à savoir que ce sont les États qui font la paix. Les États qui font la paix quand ils signent des traités de paix, une tradition oubliée, et notamment par la voie des amnisties, d'une part, et d'autre part, les États qui, par des actes politiques, peuvent consolider et jeter les bases d'une paix durable. Alors pourquoi est-ce que je voulais souligner cet aspect de l'État comme facteur principal de la paix? Eh bien, parce que je suis convaincu que l'opinion contraire est non seulement une opinion absolument dominante dans la théorie des relations internationales aujourd'hui, mais que cette opinion contraire, cette théorie contraire, à savoir que l'État c'est le principal facteur de la guerre, nous domine depuis bien longtemps et détermine un très grand nombre des institutions supranationales sous lesquelles nous souffrons. Je pense qu'il est impossible d'exagérer la puissance de cette théorie selon laquelle les États sont en quelque sorte programmés pour faire la guerre, et que ce n'est que grâce au droit international et aux institutions inter ou plutôt supranationales que nous avons la paix. Cet argument, nous l'entendons, n'est-ce pas, à peu près tous les mois dans la bouche de nos chers dirigeants bruxellois, dans son discours sur l'état de l'Union. C'est drôle, n'est-ce pas, comment les Européens imitent les habitudes américaines, comme dit toujours Jean-Pierre Chevènement, les États-Unis d'Europe, c'est l'Europe des États-Unis. Eh bien, Barroso, dans son dernier discours sur l'état de l'Union, c'est-à-dire du mois de septembre, a de nouveau, pour la énième fois, dit que s'il n'y avait pas Bruxelles, eh bien l'Europe se retrouverait de nouveau dans les tranchées, qu'il y aurait de nouveau une guerre. Dans un discours prononcé à Berlin en 2011, mais bon, je vous les cite, mais vous savez, ils sont très nombreux, ces discours et ces remarques, Herman Van Rompuy a dit que l'euroscepticisme était un danger qui menaçait précisément la paix en Europe. Mais ce n'est pas seulement dans l'Union européenne que cette idéologie est puissante. Elle est aussi, me semble-t-il, à la base des Nations unies elles-mêmes. Même si il y a beaucoup plus d'aspects dans la charte des Nations unies que l'on peut trouver plus ou moins acceptable, la charte des Nations unies est un traité plus ambigu, je crois, que le traité de Rome. Néanmoins, l'idée est absolument centrale, je crois, comme elle l'a été aussi pour la création de la Société des Nations, qu'il faut impérativement des structures supranationales et un droit supranational pour qu'il y ait la paix. Idem pour les tribunaux criminels, pour les tribunaux pénaux internationaux qui ont été créés depuis la fin de la guerre froide. Il est très important, nous aurons l'occasion, j'espère, pendant les questions d'en parler, mais les rapports internationaux ont beaucoup changé, bien évidemment, depuis la fin de la guerre froide, et un des phénomènes de ce changement, c'est bien évidemment cette création de tribunaux internationaux, pour la Yougoslavie d'abord, ensuite pour le Rwanda, ensuite en Sierra Leone, ensuite pour le Liban, pour Hariri contre la Syrie, et puis le tout chapeauté par la création de la Cour pénale internationale elle est devenue active, je crois, en 2001 ou en 2002. Des tribunaux qui, de manière absolument grotesque, ne font qu'imiter la ligne politique en matière de politique étrangère des pays occidentaux. C'est vraiment une plaisanterie. On a vu par exemple l'ancien procureur de la CPI recevoir les représentants du gouvernement encore, je crois, transitoire en Libye, n'est-ce pas, au moment où la guerre civile était encore en Libye, c'est-à-dire avant le renversement de Gaddafi. Mais bon, les exemples sont trop nombreux pour vous les citer. Cette idée, cette théorie donc, que les États sont en quelque sorte programmés pour faire la guerre et qu'il faut les encadrer, est également l'idée, je crois, fondamentale
derrière la création de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. C'est cette organisation qui a été créée sur la base de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, qui elle-même remonte à 1975 et aux accords de Helsinki. J'ai participé avant la semaine dernière à une réunion de l'OSCE. J'ai beaucoup de choses à vous raconter sur cette institution que je croyais toujours sinistre et que maintenant je crois absurde et sinistre. Et de même, les exemples sont multiples. Vous vous souvenez du round, on dit en français, du GATT, n'est-ce pas, les discussions sur le libre-échange. Eh bien, ces discussions-là ont été remplacées par une structure beaucoup plus forte, plus solide, plus supranationale, qui est l'Organisation mondiale du commerce. Cette théorie explique en grande partie, j'en suis convaincu, non seulement l'élargissement de l'Union européenne, qui, comme vous le savez, s'est élargi maintenant jusqu'à une centaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg, et qui songe toujours à ramener l'Ukraine dans son giron, non seulement donc à l'élargissement de l'Union européenne et de l'OTAN, qui les deux élargissements allant de pair, bien évidemment. D'ailleurs, les Européens de l'Est, je vous signale, ont une très belle expression qui est très parlante. Ils parlent de leur adhésion aux structures euro-atlantiques. Et très souvent, encore une fois, en Pologne, on le voit à Bucarest, peut-être en Hongrie, je ne sais pas, mais en tout cas dans plusieurs pays de l'Est, on voit devant les palais municipaux, gouvernementaux, on voit le drapeau national et le drapeau européen et le drapeau de l'OTAN, pour signaler que les pays en question, c'est le cas de la Roumanie, j'ai été moi-même dans le Parlement à Bucarest en octobre dernier, on voit les étoiles européennes et puis le drapeau de l'OTAN, et j'ai remarqué que la même chose est vraie pour la Pologne. Non seulement élargissement de l'Union européenne, comme d'ailleurs aussi du Conseil de l'Europe, et bien sûr de l'OTAN, mais aussi ce que j'appelle le réarmement idéologique de ces deux ou de ces trois organisations. Réarmement idéologique, réarmement littéral pour le cas de l'OTAN, mais réarmement idéologique pour le cas de l'Union européenne et de l'OTAN. Par réarmement idéologique, j'entends le fait que ces institutions, notamment l'OTAN, se sont dotées de nouveaux pouvoirs, comme vous le savez, principalement en matière de protection des droits de l'homme. Bref, cette théorie, elle est très puissante. Il y a un très bon livre, une très bonne histoire du droit international, sorti il y a quelque chose comme 10 ans, en anglais, écrit par un Finlandais, dont le titre dit tout. En anglais, c'est « The Gentle Civilizer of Nations », le civilisateur doux des nations. Le titre est très éloquent. Pourquoi ? Parce que cela suppose que sans... Ça se réfère bien sûr au droit international, mais ça présuppose bien évidemment que sans le droit international, les nations ne seraient précisément pas civilisées. Alors, je voulais analyser et bien évidemment critiquer cette idée, parce qu'il me semble qu'elle est très forte, qu'elle détermine une grande partie de nos problèmes et qu'il est essentiel de la décortiquer. Alors l'un des arguments, il me semble le plus, au moins en apparence, le plus fort, le plus convaincant en faveur de cette théorie, c'est celui qui dit qu'en 1914, le système classique des relations internationales s'est effondré, que l'équilibre des puissances s'est avéré incapable de maintenir la paix en Europe, et que précisément le fait que les États européens n'étaient pas liés les uns aux autres par des structures et par un droit international contraignant expliquait le fait que la guerre avait éclaté en 1914 et de nouveau bien sûr en 1939. Et je pense que cet argument mérite une réponse. Et ma réponse à cet argument, elle est la suivante, et c'est l'objet principal de mon propos ce soir. En fait, quand vous regardez l'histoire intellectuelle de cette idée, vous constatez qu'elle est née bien avant 1914. Bien avant 1914. Le principe
d'un appel à la cour, à ce qui était à cette époque-là la Cour permanente de justice, a été accepté par les conventions de La Haye signées en 1907. La Cour permanente d'arbitrage a été créée en 1899. Elle existe encore, cette Cour. Le prix Nobel de la paix, qui est décerné chaque année, comme vous le savez, depuis 1901, le prix Nobel de la paix est évidemment un monument à cette idéologie, a été décerné pour la première fois en 1901 à Henri Dunant, le créateur de la Croix-Rouge, qui lui aussi avait été très actif dans la rédaction des premières conventions de Genève en 1864. En réalité, quand vous regardez l'histoire du droit international, vous constatez qu'il y a, dans la seconde moitié du XIXe siècle, une véritable explosion de traités, de déclarations, de conventions et même de création de structures de traités et de conventions, donc qui constituent le nouveau, ce qu'on appelle maintenant le nouveau droit humanitaire international. Non seulement il y avait cette explosion de traités, mais il y avait également une forte poussée de l'idée que l'humanité devait s'unir politiquement, que l'humanité est une et que le fait qu'elle soit divisée entre États serait une aberration. Ces traités, ces déclarations, ces conventions de la paix sont vraiment très très nombreux. Ils ont été signés en 1856, en 1863, en 1864, en 1868, en 1874, en 1880, en 1999, en 1906, en 1907, en 1909, en 1910 et en 1913. C'est-à-dire que jusqu'à la veille de l'éclatement de la guerre, on signait comme des fous non seulement des traités de paix, mais des accords pour généraliser la paix dans le monde. Sur le plan politique, on observe exactement la même tendance. Le premier congrès international des Amis de la paix a été organisé à Londres en 1843. La première Ligue de la paix, créée par Frédéric Passy, est créée en 1867. Une autre ligue, la Ligue internationale de la paix et de la liberté, celle qui est présidée par Garibaldi, est créée également en 1867. Le Bureau international permanent de la paix a été fondé en 1891 et basé à Berne. Les expositions universelles commencent à Londres en 1851 et en 1889, Pierre de Coubertin présente son projet de faire les Jeux olympiques, qui, eux, bien sûr, sont totalement imprégnés par cette idéologie mondialiste, c'est-à-dire cette idéologie que l'humanité doit se retrouver autour du sport afin de promouvoir la paix. Des congrès universels pour la paix ont été organisés, ont eu lieu chaque année de 1889 jusqu'à l'éclatement de la guerre et ensuite dans la période entre les guerres. L'Union interparlementaire est créée à Genève en 1889 et à la veille de l'éclatement de la Première Guerre mondiale, elle avait 3 000 députés. Il y avait 3 000 députés qui appartenaient donc à cette Union interparlementaire. Dans les milieux universitaires, un moment très important est la création de l'Institut de droit international qui est créé à Gand, en Belgique, en 1873. Cet institut a reçu le prix Nobel de la paix en 1904 parce qu'il était considéré qu'il avait fait une contribution décisive à cette nouvelle idéologie de la paix. En parallèle avec ces évolutions politiques, juridiques et universitaires, il y a bien évidemment une explosion, encore une fois je pense que le mot est juste, dans les échanges et dans la communication au XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et pour accompagner en quelque sorte ce développement de la communication et du commerce,
un certain nombre de structures sont mises en place pour les encadrer et pour les rendre plus faciles à réaliser. Par exemple, l'Union télégraphique internationale est créée en 1865. L'Union générale des postes en 1874. Cette union deviendra plus tard l'Union postale universelle. Des congrès pour le libre-échange sont organisés à Bruxelles à partir de 1847. Un certain Karl Marx s'adresse à celui de 1848. Karl Marx, qui était, je ne cesse jamais de le rappeler, un grand partisan du libre-échange, parce qu'il a compris que ce qu'il appelait la révolution bourgeoise allait balayer toutes les structures traditionnelles au monde, la famille, la nation et ainsi de suite. Il a compris la force révolutionnaire du libre-échange. C'est-à-dire que nous avons tendance, je crois, à penser que le 19e siècle, c'était le siècle de la nation, avec l'unification de l'Allemagne et de l'Italie. Mais en réalité, je pense qu'il faut vraiment revoir sa copie. Le 19e siècle était très sincèrement le siècle du culte de l'humanité, du culte de l'humanité politiquement unifiée. Et pour certains acteurs, je pense notamment à Garibaldi, l'unification nationale n'était qu'une étape vers une unification plus générale de l'humanité tout entière. Alors, ce qui est frappant dans cette accélération donc des échanges et de la communication, c'est que ils sont idéologisés de la même manière que l'Internet et les autres moyens de communication électronique l'ont été à partir du milieu des années 90. Vous vous souvenez que quand l'Internet a été inventé au milieu des années 90, ou popularisé en tout cas au milieu des années 90, on a commencé à expliquer que la communication allait rendre l'humanité plus unie, que cela faciliterait la bonne entente entre les nations et entre les gens. Et bien évidemment que la mondialisation économique et sur le plan de la communication allait faire répandre la démocratie et le règne du droit. C'est tout le discours de Bill Clinton et de George W. Bush. Mais nous retrouvons exactement la même idée, chez les avatars de cette unification des communications au 19e siècle. Je cite en particulier un certain Camille Delessert, qui était directeur des postes à Lausanne et doyen de l'Union postale, qui, en 1897, au Congrès postal universel à Washington, aux États-Unis, a déclaré « Là où l'Union finit, commencent les ténèbres et la misère de la barbarie ». C'est-à-dire que là où, dans les pays qui n'avaient pas intégré l'Union postale, eh bien, il ne régnait que la barbarie. Je vous conseille la lecture de cette magnifique histoire de l'utopie planétaire par Armand Matelard, où vous trouverez des centaines de citations qui vont dans ce sens. Et on trouve cette idée civilisatrice aussi, bien sûr, chez les universitaires qui, eux, ont tellement milité pour un changement dans le droit international. Par exemple, je cite encore une fois l'Institut de droit international, celui qui est créé à Gand et qui a tenu sa première réunion en 1873. Son l'article premier de son statut, déclare que le but de cet institut, c'est de devenir la conscience légale du monde civilisé. Autrement dit, si vous n'êtes pas d'accord avec les juristes de l'Institut du droit international, vous n'appartenez pas au monde civilisé. Alors, en regardant un peu cette histoire, on constate assez vite que ces initiatives, notamment les initiatives universitaires, ne sont aucunement de vraies initiatives universitaires. Je veux dire par là que quand vous regardez ce qu'ont fait les trois juristes qui ont créé par exemple l'Institut de droit international, eh bien, vous constatez que ce sont des gens avec un projet politique qui se servent du droit pour réaliser un projet politique. À propos de leur mission civilisatrice, à Rhodes, parce que je savais que j'avais très peu de temps, j'ai supprimé une très belle citation,
mais que je vais vous donner pour votre délectation. L'un des juristes, Johann Caspar Blunschli, qui est un juriste suisse, comme l'indique son nom, qui était un des fondateurs de cet institut de droit international et qui est encore considéré comme une référence dans l'histoire du droit international. Lui donc, avec les autres en tout cas, qui avait dit que leur institut représentait la conscience légale du monde civilisé, il avait écrit comme par hasard en 1857 que toute science supérieure est d'origine aryenne. Les sémites étant beaucoup trop attachés à l'émotion, mais les ariens, c'est eux qui ont la vraie science et le vrai attachement à la philosophie. Eh bien, c'était quoi ce projet politique? En fait, il était très simple. Si vous étiez un libéral au milieu du 19e siècle, vous souffrez d'un problème terrible, idéologique. Parce que vous viviez dans un monde qui était en paix, plus ou moins, et en croissance économique considérable. L'Europe était en paix pour la plupart, une paix très longue d'ailleurs. Mais cette paix, elle était basée sur quoi? Elle était basée, bien sûr, sur le congrès de Vienne, c'est-à-dire sur la restauration, en 1815, du principe monarchique, légitimiste, et, pour tout dire, de structure hiérarchique. Et pour ça, pour les libéraux, cela était insupportable. Insupportable. Ils étaient très hostiles à l'idée même de la Sainte Alliance. Ils étaient très critiques, ces juristes, de la notion que la diplomatie pouvait régler les conflits. Et par conséquent, il faut être lucide sur ces démarches, sur ces initiatives. Tout simplement, les libéraux voulaient en finir avec les structures conservatrices qui avaient été créées à Vienne et qui continuaient plus ou moins à gouverner l'Europe jusqu'au milieu du 19e siècle. Ils considéraient, autrement dit, et là je cite un historien, que la structure issue du congrès de Vienne était un obstacle aux idées libérales. Autrement dit, ce qu'ils voulaient faire, ces universitaires, c'était tout simplement d'en finir avec les structures conservatrices, monarchiques et verticales et les remplacer par des structures de type horizontal imprégnées de libéralisme politique. Exactement comme aujourd'hui, on utilise les droits de l'homme d'une part et les structures supranationales, notamment celles de Bruxelles, pour poursuivre le même projet qui est celui d'en finir avec l'État-nation. Donc je suis convaincu que ce mouvement que j'ai décrit, le mouvement donc universitaire de tous ces congrès de la paix, le mouvement qui a poussé les États à signer toutes ces déclarations, que c'était tout simplement un mouvement politique et qu'il faut le comprendre comme tel. C'était un grand mouvement politique puissant et qu'il faut le croire, il faut le comprendre comme tel. Bon, alors vous qui êtes tous, j'en suis sûr, très attachés au principe de libéralisme politique, vous allez me répondre, eh bien, où est le problème? Où est le problème? Ces gens-là, c'était des braves gens, ils ne voulaient que le bonheur du monde. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Eh bien, et c'est mon deuxième point, je suis persuadé que cette idéologie que je vous rappelle repose sur l'idée que l'humanité va s'unir politiquement autour de principes civilisés, car c'est l'essentiel. Je répète, les juristes se sont déclarés la conscience légale du monde civilisé. Eh bien, cette idée, elle aboutit inéluctablement à ce que j'appelle une éthique du châtiment. J'ai souvent employé le terme éthique de châtiment pour désigner les rapports internationaux d'aujourd'hui. Je considère en effet que les rapports internationaux depuis 20 ans sont profondément imprégnés par cette éthique du châtiment, par une volonté
de châtier certaines personnes, de punir certaines personnes. On parle de punir Bachar el-Assad ces dernières semaines. Je cite bien évidemment François Hollande, le président de la République, qui, le 27 août 2013, a dit que la France était prête à punir ceux qui étaient responsables d'avoir utilisé les armes chimiques en Syrie. Mais en 1999, pendant le bombardement de la Yougoslavie par les forces de l'OTAN, le général Wesley Clark a dit que combattre l'OTAN, c'était comme combattre Dieu. La guerre en Irak en 2003 a été menée pour punir l'Irak, soi-disant, parce qu'elle n'aurait pas respecté, elle n'aurait pas obéi à des résolutions de l'ONU. C'était ça le prétexte formel de cette guerre. Il est bien évident que la guerre en Afghanistan est une guerre de vengeance. C'est le seul motif de cette guerre. Et je suis convaincu également que cette éthique du châtiment, cette volonté de punir, eh bien, elle voit le jour au moment de la Première Guerre mondiale. Et elle casse en 1918, et d'une certaine manière déjà en 1914, une très longue tradition, encore une fois, je vous rappelle, une tradition qui avait au moins 5 siècles, de pardon au moment de la paix. Pourquoi en 1914 et en 1918? Eh bien, vous le savez tous que non seulement la paix de Versailles était une paix punitive, qui voulait évidemment punir l'Allemagne en général, mais il y avait également dans l'article, je crois, 237, la déclaration de la culpabilité personnelle de l'empereur allemand qui devait être jugée, et de même, mais ce n'est pas dans le traité de Versailles, les dirigeants turcs ont été jugés également. Cela n'a abouti à rien pour plusieurs raisons, notamment parce que les Turcs étaient plus rusés que les Britanniques qui ont conduit les procès, mais néanmoins l'idée était très claire que pour les deux ennemis principaux, il fallait les juger et les condamner. Et on peut rajouter que le sort horrible réservé à l'empereur d'Autriche, bon, ce n'était pas une procédure judiciaire, mais néanmoins, visiblement, c'est quelqu'un que les Alliés voulaient punir. Alors ça, c'est pour 1918, mais on peut considérer aussi que la volonté autrichienne de punir la Serbie en juillet 1914 et en août 1914 relevait elle-même aussi de cette éthique du châtiment. La guerre a fini comme elle a commencé, avec une volonté de punir. Et pour ma part, je suis persuadé qu'il y a un lien idéologique et structurel très fort et très profond entre, d'une part, cette notion que le monde civilisé va avancer vers l'unité, d'une part, et d'autre part, par cette éthique du châtiment. Pour la simple raison que, bien évidemment, si on est plus civilisé, si on est en train de s'acheminer vers un plus haut degré de civilisation, eh bien, il faut de temps en temps taper sur ceux qui résistent d'avancer sur la même voie. Alors, ce lien idéologique et structurel entre ces deux idées, donc d'une part l'idée de l'avancée de l'espèce humaine vers une unité basé sur la civilisation d'une part et d'autre part l'éthique de châtiment, ça passe par plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux de liens. Il y a notamment une longue tradition anglaise et américaine de messianisme en politique, de messianisme. Cette idée naît, elle est peut-être plus ancienne, mais enfin elle naît et elle prend le pouvoir, si je puis dire, en Angleterre au moment de Cromwell. Une idée qui relève bien sûr du puritanisme, selon laquelle le monde est le théâtre d'une lutte échatologique entre les forces du bien et du mal, et que les forces du bien vont un jour vaincre les puissances du mal. Très souvent, cela est censé passer par une guerre purificatrice, mais qu'à la fin, une fois la victoire acquise, eh bien, les méchants vont être jugés. Il y a une idée que le dernier jugement va être en quelque sorte avancé et aura lieu sur Terre. Eh bien, cette idée, elle est
très littéralement chassé, expulsé de l'Angleterre en 1660. Je suis président à vie et directeur général et secrétaire général de l'Association pour l'abolition de l'expression anglo-saxon, parce que je considère que cette expression est trompeuse. C'est le grand essayiste russe Danilievski qui a dit « Heureuse Angleterre qui a pu expulser ces gens de ces contrées pour les faire partir sur les autres rives de l'Atlantique ». Bon, on peut bien évidemment passer par le messianisme, qui est une question très intéressante. Il y a un excellent livre sur le sujet, écrit par un Américain. Et ce messianisme, vous le savez, cela revient de assez souvent et de manière très explicite. Un jour, quand Bush était président, il y avait dans ses discours de nombreuses références à cette théorie apocalyptique. Il était très explicite, Bush. L'Empire du Mal. L'Empire du Mal, ça c'est Reagan, mais Bush avait des références encore plus... Mais c'est vrai que les discours de Reagan relevaient exactement cela. Quand Reagan parlait d'une cité sur une colline, eh bien il cite là un poète du... Il cite bien sûr l'Évangile, mais un poète, un des pères pèlerins du XVIe siècle, qui a écrit un poème connu sur les États-Unis. Mais Bush, les références apocalyptiques sont très explicites. Dans son, je crois que c'est son premier discours inaugural, il a parlé d'un ange dans le tourbillon. Il a dit, il y a un ange dans le tourbillon, et il parle de l'histoire des États-Unis, et il fait cette référence qui normalement passerait, qui serait incompréhensible, qui pour la plupart des gens est certainement incompréhensible. Eh bien, l'ange dans le tourbillon, apparemment c'est l'archange, je crois que c'est un archange Raquiel, qui détiendrait, je crois, les sept clés de l'univers et qui fait son apparition à la fin des temps. Donc c'est une référence très explicite à la théorie apocalyptique. Tony Blair, lui aussi, de manière un peu moins littéraire, a dit aussi aux Américains dans son discours devant le Congrès que les Américains avaient été plus ou moins choisis pour le destin pour accomplir un certain rôle. Mais on n'est pas obligé de faire ce détour, même s'il est très intéressant. Enfin, moi je trouve intéressant de voir qu'il y a un lien entre, n'est-ce pas, cette idée que les structures, je répète, horizontales, qui sont censées être plus ou presque par définition vertueuses, alors que les structures verticales sont par définition méchantes, cette matrice de pensée conduit à l'idée qu'il faut le plus souvent possible punir les pays qui restent attachés à des structures verticales. Je suis persuadé que la diabolisation que nous avons observée, mais qui est en train de finir, je vous fais remarquer, mais on aura peut-être le temps d'en parler, la diabolisation de Assad, parce que maintenant tout change, maintenant que la guerre n'est plus possible. On loue John Kerry avant-hier a dit combien Assad faisait très bien son travail. Maintenant, vous allez voir, il est et les pires néoconservateurs dans la presse anglaise mettent en garde maintenant contre trop de dons caritatifs à la Syrie, puisque tout cela finit dans les mains de terroristes. Vous voyez, vraiment, c'est comme chez Orwell, où un jour on n'est plus en guerre avec Océanie, on est maintenant en guerre avec l'Eurasie. Mais quand la diabolisation était encore active, elle relevait de cette haine contre les structures verticales qui représentent une sorte de menace existentielle aux structures horizontales censées être par définition vertueuses. Voilà donc comment je vois les choses, et je pense que il est donc très important de remonter à la source de cette idée erronée qui a maintenant plus de 150 ans et qui continue à déterminer les esprits non seulement de nos dirigeants, mais aussi de plusieurs de leurs ennemis. On trouve très souvent, enfin peut-être pas dans les milieux de droite, je ne sais pas si je suis avec des gens de droite ou de gauche, je ne vous connais pas, enfin quelques-uns d'entre vous, mais à Rhodes où j'étais la semaine dernière,
plusieurs orateurs qui sont pourtant critiques du monde unipolaire ont dit, par exemple, il faudrait que la Cour internationale de justice puisse statuer sur les génocides, ou si oui ou non il faut intervenir, etc. Donc cette idée a une emprise très forte, je crois, sur les esprits. Eh bien, moi, je pense que nous devons nous libérer de cette idée. Nous devons notamment nous libérer de l'idée qui me paraît terriblement néfaste, selon laquelle les nations seraient en quelque sorte barbares par définition. Les nations ne sont pas barbares, elles n'ont pas besoin du droit international ou des machins à New York, à Genève, à Bruxelles, et encore pour être civilisées. Elles sont civilisées dans la mesure où elles le sont, et quand elles le sont, parce qu'elles le sont intérieurement. Elles le sont intérieurement quand elles font preuve de bonne gouvernance, quand elles respectent le droit chez eux, et on suppose que si un État est bien dans sa peau, s'il y a une paix interne dans un État, qu'il ne va pas nécessairement attaquer les autres. Je suis persuadé de manière véhémente que les guerres qui sont lancées par les États-Unis en permanence sont une manière pour ce pauvre pays qui est déchiré par des tensions internes épouvantables et qui est déchiré, je crois, au niveau psychologique le plus profond par une sorte de dépaysement. Les Américains, j'en suis persuadé, sont dépaysés grâce à leur idéologie maçonnique. L'idéologie maçonnique selon laquelle l'État américain serait le fruit d'un contrat social indépendant de tout déterminisme historique ou même géographique. Vous ne trouvez pas ce même dépaysement chez les Canadiens ou chez les Australiens ou chez les Américains du Sud. On ne trouve pas ce sentiment qui est pourtant très fort chez les Américains, littéralement de dépaysement. Ils ne savent pas où ils sont. C'est un pays qui psychologiquement est traumatisé et qui, bien sûr, a comme tous les pays, notamment les pays occidentaux, a beaucoup de problèmes. Eh bien, je pense que selon le modèle girardien, eh bien, tout simplement, on essaye de se convaincre de sa propre supériorité en projetant sur des ennemis extérieur de manière obsessionnelle, n'est-ce pas, tous les maux imaginables. Et c'est la raison pour laquelle toutes ces attaques et toutes ces diabolisations, que ce soit Assad, Saddam Hussein, Milosevic, eh bien, elles sont toutes pareilles. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, n'est-ce pas? Il y a toujours la référence à Hitler, il y a toujours la référence à un dictateur qui massacre son peuple, etc. Les phrases sont les mêmes, le modèle de diabolisation est le même. Et je pense que c'est la preuve, si vous voulez, que nous avons affaire ici, non pas à une appréciation des faits, mais au contraire à un besoin psychologique dont les Européens ne sont absolument pas libres non plus, puisque l'Europe qui s'achemine depuis trop longtemps sur un avenir post-national et post-moderne de manière générale, veut elle aussi prouver par la guerre si nécessaire sa supériorité sur les cultures considérées comme arriérées. Et donc moi je prends les dernières évolutions sur la crise syrienne comme la preuve, si vous voulez, de la vérité de ce que j'affirme. Nous avons beaucoup entendu parler de la proposition russe sur le désarmement des armes chimiques en Syrie. Je pense que c'est un projet un peu risqué, et de toute façon, vous avez remarqué comment le projet a vu le jour. En fait, c'était par un lapsus de Kerry, ou plutôt par une plaisanterie de Kerry. Il a dit oui, bon, d'accord, si les Syriens désarment dans une semaine, on ne va pas les bombarder. Et les Russes habilement ont pris ce qui n'était en fait qu'une plaisanterie au pied de la lettre. Et en plus, ça a donné les Américains une porte de sortie. Bon, il y a eu de la diplomatie. La diplomatie russe, en l'occurrence, était renforcée par la menace d'un déploiement possible de missiles anti-aériennes, qui est évidemment un facteur important. Il n'y avait pas que de la diplomatie. Mais j'affirme devant vous que l'heureuse issue, supposons que
les choses resteront comme elles sont pour le moment, dans le conflit syrien, était due non pas à une concertation internationale, mais au contraire à un événement national, à savoir le vote au Parlement britannique le 29 ou le 28 août. C'était un événement national qui a déclenché la suite des événements. Cela a mis bien sûr la France et les États-Unis en difficulté. Cela a encouragé les républicains au Congrès de ne pas voter la guerre. Et c'est la raison pour laquelle Obama et Kerry ont accepté très vite ce qu'ils ont appelé la proposition russe, parce que ça les permettait de sauver la face, puisqu'ils étaient sur le point de perdre chez eux. C'est-à-dire qu'il y avait une réaction nationale en Angleterre et aux États-Unis qui est la cause principale de la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Donc je termine avec cette idée que vous connaissez peut-être si vous êtes comme moi un lecteur de René Girard. Girard, dans un de ses livres, derniers livres, Je vois Satan tomber comme l'éclair, parle de la femme adultère. Et il attire l'attention sur le fait que la foule était prête à lapider la femme. Et en tant qu'anthropologue, il dit que le génie du Christ consiste dans le fait qu'il a dissipé la foule en demandant à la personne sans péché de jeter la première pierre. Et c'était en individualisant la foule que sa violence était dissipée. Et c'est une belle façon, je crois, de montrer que, contrairement à ce qu'affirme cette idéologie que j'ai critiquée, c'est souvent la collectivité qui est violente et l'individu ou les individus qui peuvent être un facteur de paix. Voilà, merci.